Bienvenue à bord. Allez, on quitte le mouillage de Pévéro et on poursuit notre descente plus au sud. Allez, c'est parti. On l'a déjà sorti alors que nous étions au pré, bon plein. Donc il est clairement établi que cette voile a une plage d'utilisation la plus large entre le pré et le portant. Alors dernier constat, on est entre 3,5 et 4,5 de vent apparent et on marche à 5 nœuds uniquement sous code D. Alors ne vous fiez pas au bruit du moteur, nous sommes uniquement au point mort pour assister le convertisseur qui recharge les ordinateurs. Donc là on est vraiment sur une allure qui repose uniquement sur ce joli code D. Alors j'en profite pour vous montrer qu'à partir de l'œillet de Driss, j'ai mis un bon mètre d'écoute avec notre chaise et ensuite l'écoute principale pour éviter justement quand la voile, quand le code D est enroulé à poste, l'œillet de Driss est très haut placé au-delà de la hauteur d'homme. Donc le côté pratique, c'est d'avoir ce bout accessible pour un changement d'écoute, notamment bien évidemment sur les changements d'amure. Donc si on change d'amure, on se place sur le travers, on enroule le code D et on fait un échange standard des deux écoutes. C'est la solution que je préfère pour faciliter la manœuvre et aussi nous éviter d'avoir une contre-écoute qui risque de se prendre ça et là au moment des manœuvres ou d'une dévente éventuelle. Alors là on est passé travers, on a repris un peu d'écoute et on continue à plus de 4 nœuds avec un petit vent apparent de 5-6.
et on va essayer d'aller trouver un mouillage là-bas derrière, parce que sur Olbia, paraît-il, un samedi soir, c'est un peu fiesta boum boum. Allez, changement de plan, on devait aller là-bas derrière. Et ben, on va aller plutôt là-bas devant. Voilà, c'est ça, Porto Istana. Mouillage qui a bonne réputation, on va aller voir ça. Salut. Ouais. T'as 4-5 mètres sur cette zone. Alors là, je vous montre une situation traditionnelle lorsque vous vous trouvez au mouillage. C'est ça. Réunion d'annexe pour le débriefing de la journée. Voilà. Quand vous l'avez bien installé, on s'en va, hein, c'est ça? Ah, tu l'as réuni ensemble ou... avant le premier apéro, tu dis le bateau il peut tourner, mais après le deuxième apéro, tu dis le soleil qui tourne. Là. C'est quoi ce soleil qui tourne? C'est trop chier là. Mais tout ça pour faire. Voilà, tu inverses. Mais c'est une truc de méduse ouais. Dans l'autre sac. Tu fais chier avec tes méduses, toi. Hein. Oh, mais non, dis attention, t'es filmé. Ah oui, ah, alors. Ouais. Voilà. Non, mais. Restons polis. Ouais, c'est je sens pas un peu mon cas, les deux. Le soleil viendra au milieu et là, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de soleil. Et tu l'as pas pris un peu petit ton truc? On dirait un petit mouchoir là. Malheureusement, il y avait juste taille, je t'explique. Non, mais il est bien, hein, c'est juste que. Ça rigole, c'est ça. Rigole. Oui, j'en ai prêté des mots, mais bien sûr. Après, on va le remercier parce qu'on sera à l'ombre. Voilà. Alors, ça fait j'ai presque 5 minutes que je filme quand même. J'ai pas l'impression moi, que le soleil avant était si long. Voilà, ça occupe. Mais, oui, ma belle, je te fais un beau zoom, donc, tu verras, ça va être top. Donc, là, là, la coco et ananas. Et ananas. Mais alors, on a l'ananas. Rivière du Mât. Rien qu'au parfum. Apparemment, c'est. Rien qu'au parfum. Ouais. Tu pourrais te contenter de ça et de ne plus y toucher. C'est vrai, parce que la coco, elle sent moins. Presque, hein, j'ai dit. Oui. Ouais. La coco, c'est, pour la rééducation, c'est moins bon. Pour la rééducation presque. Covid. Presque. J'ai dit presque. On va goûter quand même, sinon ce serait faire offense. Oui, voilà, il faut pas non plus offenser. Mais alors le parfum. Ouais, c'est quelque parce chose. Parce que la coco, hein. Je sens rien, qu'est-ce que t'en penses? Ah si. Ah bah t'as vu, non mais c'est le Covid. Si, ça sent. C'est le Covid. C'est ah ouais, ça c'est le Covid. Hein. Obligé de prendre de l'ananas derrière je la je sens l'ananas, tu vois, mais pas le notre coco, donc il faudra que je goûte ça. L'ananas, aussi. C'est quelque chose. Hein. Ah ouais. C'est. On est dans les îles directes. Ne me fais pas 2 km de vidéo, parce qu'après c'est moi qui fais les montages. Coupe GoPro, arrêtez enregistrement. Si GoPro, parle... arrêtez enregistrement. Non, elle obéit qu'à son maître. GoPro, arrêtez. Oh. Crotte. GoPro. Allez, petite sortie d'annexe. Au soleil couchant.